Salut tout le monde. Ce matin, on va parler du livre L'Église et les malades. Je me souviens pas très bien de le prénom. Fadia. Oui, Fadia Lobsky et David Guyon. Et c'est un livre sur l'histoire de l'exégèse de Marc XVI et Jacques V. Et on se demande. Et il est légitime de prier pour les malades. Et il existe dans notre temps des manifestations miraculeuses. Et pour ça, de ça, on va parler ce matin. Et je voudrais donner la parole à Isabelle pour parler un peu sur la tradition réformée française, mais surtout sur les deux Ouais. auteurs. Alors Marc XVI et Jacques V, je rappelle juste rapidement, Marc XVI, 17, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et Jacques V dit ceci: l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Donc voilà, oui, donc c'est des passages hyper, hyper clairs et en même temps voilà, qui ont une histoire de l'interprétation dans l'Église. Et c'est vraiment de ça qu'on va, enfin, on va mettre les pieds dans le plat avec voilà, enfin voilà, est-ce qu'on guérit les malades? Est-ce que tous les malades guérissent? Tout ça, toutes ces questions, on va les traiter aujourd'hui. On va faire le tour de la question. C'est ça. Carrément. Et alors Fadia Ilowski et David Bouillon. Alors Fadia Ilowski, c'est un grand monsieur, c'est un historien du protestantisme qui a beaucoup œuvré pour l'unité judéo-chrétienne, en fait, qui vraiment s'est spécialisé dans cette question. Et puis c'est un monsieur qui est décédé il y a 4 ans de ça. Et rapidement, David Bouillon, c'est un pasteur de l'Église réformée. Et il est aussi professeur à la HET Pro, professeur de théologie, donc dans la haute école de théologie en Suisse. Et c'est aussi un ami, qui nous fera l'honneur en plus de venir prêcher la semaine prochaine. Enfin, il ne va pas venir ici, hein, vous comprenez bien, mais il va prêcher pour nous la semaine prochaine, justement sur cette question de l'Église et des malades. Et ces deux personnes se sont rencontrées. Notamment dans l'union de prière de charme. Et l'union de prière de charme, c'est la concrétisation du réveil qui a eu lieu, du réveil spirituel qui a eu lieu dans les Ardèches. Et ça a été fondé par. L'Ardèche. J'ai dit les Ardèches, Ça n'importe faisait un quoi. peu les Ardennes. N'importe où, oui, c'est ça, je crois que j'ai eu un petit bug dans ma tête. Vous savez, c'est l'horaire, ça me fait un peu du mal parfois. Donc le réveil ardéchois, c'est mieux. Le réveil ardéchois. Et donc elle a été fondée en 1946 par le pasteur Louis Dallière. Et elle a plusieurs vocations. Une de ses vocations, c'est vraiment de maintenir l'élan d'un réveil dans le protestantisme, tout en maintenant l'unité, ce qui est quand même quelque chose d'assez à la fois paradoxal, mais pourtant fondamental. Et puis une autre vocation, c'est de prier pour l'avènement du Seigneur. Qui a envie que le Seigneur revienne? Vous avez envie? Voilà, eux, ils ont envie. Ils prient pour ça. Voilà, donc je laisse la parole à Julien, en fait. Je vais te poser tout de suite la question. C'est quoi ce livre? Comment tu nous résumes ce livre? Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir le résumer, et c'est même pas en fait vraiment ce que j'ai envie de faire, mais disons que ce livre, moi, il m'a touché parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Lovski, c'est un travail d'historien, donc c'est pas de la dogmatique, c'est pas non plus un exégète, c'est un historien de l'exégèse, si on veut. Et c'est pas un dogmaticien, c'est un historien de quelles ont été des prises de position. Et c'est pas non plus un théologien pratique au sens où il s'intéresserait concrètement à qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui pour les malades, mais c'est un historien de la théologie pratique un petit peu. Tout ça avec c'est perceptible dans sa manière d'écrire le souci que l'Église soit là pour les malades. C'est-à-dire que son premier souci, au-delà de savoir quelles sont les positions des différentes églises, etc., on sent que c'est ce. Mais qu'est-ce que fait un chrétien avec son cœur de chrétien auprès d'un malade, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est mal? On sent que la question, c'est plus. En fait, c'est pas un livre sur l'histoire de l'Église et des malades, c'est un livre sur la charité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas.
Voilà, c'est comme donc ça que j'ai c'est énorme, en fait. Donc, en fait, ce que tu essaies de nous dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me semble, c'est que le malade dérange. Enfin, il a peut-être toujours dérangé, mais je le vois particulièrement aujourd'hui. Le malade dérange dans notre société. Mais quelque part, moi, j'ai aussi envie de dire, hein, je mets un peu les pieds dans le plat, que le malade dérange même dans certaines églises. On ne veut pas qu'il y ait de malade, soit parce qu'on a peur de demander quelque chose au Seigneur, de demander la guérison, soit parce qu'on veut que ce soit tellement systématique que quelqu'un qui reste malade, bah c'est dérangeant pour le système de l'Église. Tu vois ce que je veux dire ? Alors du coup, c'est ça qu'en fait, c'est ça que qu'à mon avis, dans son travail d'historien, a été compliqué, c'est qu'en fait, il évoque qu'il y a une histoire officielle de l'Église avec une histoire des dogmes, des ordonnances, des conciles. Et en fait, il faut aller comme... J'ai l'expression gratter. Il va gratter. Il va gratter les témoignages des pères de l'Église, des pasteurs. Il va gratter leurs témoignages pour comprendre en fait dans de la correspondance, dans des propos presque des propos de table, dans un petit passage d'un sermon. Il va gratter cette espèce de foi et d'assurance. Et puis, tiens, quelque chose qui est raconté là et qui a bouleversé l'espérance de tel grand homme d'église. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est, en fait, hyper sensible. C'est pas la grosse histoire massive du dogme, quoi. Donc, c'est pas, tu essaies de nous dire que c'est pas un propos hyper prétentieux qui veut donner réponse à toutes nos questions sur ce là-dessus. C'est Ouais, c'est tout sauf prétentieux. Ouais. C'est humble et c'est humble et charitable. Ouais. Voilà, c'est ça que j'ai envie de. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de penser ce travail. Et c'est pour faire sortir l'humilité, la charité, voire même la pudeur. C'est souvent dit la question de la pudeur de la part de tous ces auteurs. Si on rentre maintenant dans le livre. C'est incroyable. Pour moi, ça a été un bouleversement aussi de voir à quel point tous les grands auteurs, enfin tellement de grands auteurs de l'Église avaient des expériences comme ça incroyables à raconter. Et ben justement, on peut peut-être poser quelques questions précises. Par exemple, les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils pensaient de la guérison? Si on peut faire un bref résumé là-dessus, je ne sais pas. Mais dis-moi. Ouais, parce qu'en fait, vous avez lu tout à l'heure, vous avez lu Marc 16, vous avez lu Jacques 5. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit voilà, bon, l'attestation de la foi, hein, la guérison miraculeuse, évidemment de Jésus et puis ensuite des apôtres, elle est juste unanime. Il y a consensus. Oui. Il y a consensus chrétien pour voilà, il y a des milieux le libéralisme théologique est marginal dans l'histoire de l'Église et voilà, il y a c'est une position qui est marginale et qui est à peine à considérer d'un point de vue du christianisme orthodoxe. Tu peux rappeler le libéralisme? Le libéralisme, c'est une version rationalisante. Enfin, je parle de ce libéralisme-là, rationalisante et mettant le libre arbitre au centre de l'étude de la foi chrétienne. Un exemple français bien connu, Rousseau. Qui lui a expurgé la foi chrétienne du miraculeux, mais en fait, donc il a expurgé aussi la foi chrétienne. Il a enlevé le miraculeux de la foi chrétienne. C'est ça, exactement. Ah, vous avez vu le matin, c'est. Voilà. On remet les choses en ordre. Donc, du coup, en tout cas, il y a unanimité sur la foi, la foi au miraculeux parmi les apôtres. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait après, au deuxième siècle, juste après les apôtres? Et c'est là qu'en fait, on tombe en plein dans ce livre avec l'attestation. Des pères de l'Église. Donc du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de voir Eusèbe de Césarée, grand théologien du deuxième siècle, Justin Martyr. Peut-être je lis des passages. Ouais. Chez Justin Martyr, je lis un petit passage là. Notre Seigneur Jésus est venu détruire les œuvres du diable, comme vous pouvez le reconnaître vous-même par ce qui se passe sous vos yeux. Car plusieurs personnes tourmentées de malins esprits en toutes sortes de lieux, et même en cette ville, donc il s'agit de Rome, des gens que tous vos enchanteurs n'avaient pu guérir ont été délivrés par nous, chrétiens, au moyen du nom de Jésus, crucifié sous Ponce Pilate. De pareilles guérisons se font encore maintenant, et les malins esprits sortent dépossédés. Donc voilà, là on est avec Justin Martyr, à Rome, Irénée, alors Irénée c'est Lyon, hein, Cocorico,
C'est aussi en son nom, le Fils de Dieu, que ses véritables disciples, ayant reçu de lui la grâce, en usent avec bienfaisance pour les autres hommes, selon le don que chacun a reçu de lui. Les uns, en effet, chassent des démons avec fermeté et en vérité, de telle sorte que souvent ceux-là même qui ont été purifiés des esprits mauvais croient et demeurent dans l'Église. D'autres guérissent les malades par l'imposition des mains et les rendent bien portants. Maintenant même, comme nous l'avons dit, des morts ont été ressuscités et sont demeurés avec nous un bon nombre d'années. Et quoi donc? Il n'est pas possible de dire le nombre des charismes que dans le monde entier l'Église reçoit de Dieu au nom de Jésus-Christ et dont elle use tous les jours pour faire du bien aux gentils, ne trompant personne, ne réclamant pas d'argent, comme elle a reçu gratuitement de la part de Dieu, elle distribue gratuitement. Bon, voilà, c'est fort ce que dit Irénée de Lyon. Et là, bon, bah, il y a Thaddée. Alors, Thaddée, bon, j'avoue, je ne me rappelle plus trop qui ils étaient. Hein. Clément de Rome, Hippolyte de Rome, voilà, Tertullien. C'est vraiment l'unanimité. Là, on rentre dans le 3e siècle, hein, avec Tertullien et Hippolyte. On rentre dans le 3e siècle. Origène, 3e siècle. Des Grecs et des barbares. Des barbares. C'est Babar l'éléphant, là, tu vois. Barbares, dit-il, ont reçu par la foi une puissance merveilleuse par les guérisons qu'ils ont accomplies. N'invoquant que d'autres noms sur ceux qui avaient besoin de leur aide que celui du Dieu de toutes choses et de Jésus avec le rappel de son histoire. Par leur intermédiaire, nous aussi, nous avons vu plusieurs personnes délivrées de graves calamités et de folies et d'autres maladies sans nombre qui n'avaient pu être guéries, ni par les hommes, ni par les démons. Donc en fait, ils y croient dur comme fer. En fait, ce que montre le livre, à la fois, c'est pas un propos prétentieux qui prétend, voilà, tout quadriller en fait de l'action du Seigneur. Et en même temps, il y a des vraies attestations solides sur la croyance, enfin la foi des pères de l'Église dans la guérison miraculeuse. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ces hommes, en fait, on n'aurait pas pu leur dire que ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. Pour eux, c'était clair, ils le voyaient, ils le sentaient. Ouais. C'est vrai qu'en fait, dans l'histoire de la construction dogmatique, ils se sont beaucoup plus intéressés à la divinité de Jésus, à combattre les hérésies. J'ai pas lu tout à l'heure, mais évidemment, dans l'œuvre d'Irénée de Lyon, c'est contre les hérésies. Ouais. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que carrément, en fait, au-delà de toute les développements dogmatiques hein, que d'Irénée qui sont connus, les développements dogmatiques d'Irénée de Lyon, en fait, ce qu'il va évoquer, c'est que c'est aussi un moyen de reconnaître la vraie Église de la secte, l'attestation de la puissance de Dieu. Et donc, jusqu'à quand? En fait, jusqu'à quand ils y ont cru dur comme fer? Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Alors, en tout cas, juste pour dire jusqu'à quand les très grands pères de l'Église sont unanimes là-dessus, unanimes en tout cas, les grands pères de l'Église sont mentionnés dans ce livre. Jean Chrysostome, hyper clair. Ambroise de Milan. Après, il commence à y avoir des guérisons qu'on jugera de manière un peu difficile aussi. C'est-à-dire que à partir d'Ambroise de Milan, il commence à y avoir des guérisons liées à la fois aux reliques, les reliques des saints, des choses comme ça. Du coup, ça commence à devenir plus complexe que simplement l'imposition des mains par un charisme de guérison et la foi dans le nom de Jésus. Il commence à y avoir le truchement de la foi aux reliques. Martin de Tours, qui est très très connu, Saint-Martin, parce que c'est un Français encore une fois, lui, voilà, très très connu, très célébré hein, par nos amis catholiques. Et puis jusqu'à Augustin, qui raconte des miracles dans la cité de Dieu et qui y croit. Voilà. Après, en fait, on évoque là. Il y a toujours cette foi au miracle. Après, Augustin dit déjà que à ses yeux, ça se raréfie. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Puis ça ne veut pas dire qu'en fait, dans d'autres endroits du monde. Lui, il est en Afrique du Nord. Ça ne veut pas dire que en Gaule ou en Germanie, les miracles se sont raréfiés à la même époque que lui. Mais lui, très voit ça. Et qu'est-ce qu'on enseigne à la fac du Chili là-dessus, justement, sur la permanence des miracles de guérison, qu'est-ce qu'on enseigne là-dedans?
D'abord, il y a différentes positions. On n'a pas une position uniforme. Et oui, il y a quelques-uns qui pensent un peu comme ça, qu'il y a des manifestations miraculeuses, mais qui sont en lien avec la prédication de l'Évangile et avec si Dieu veut entrer avec son royaume dans une culture, utilise des miracles surtout. D'accord. Ouais. Dans le réveil, dans des situations spéciales. Donc il peut y avoir en fait dans une culture une raréfication comme ce qu'avait peut-être observé Saint Augustin. Oui, il va commencer une autre culture, la manifestation miraculeuse. Et à la réforme. Ouais, à la réforme. La réforme protestante, elle intervient en fait en sortie d'un Moyen-Âge tu as parlé tout à l'heure, Gonzalo, de la question de Jacques V. Oui. Jacques V, tu l'as lu, Isabelle, c'est la question de l'onction des malades. Mmh. Et l'onction des malades est venue au fur et à mesure du Moyen-Âge, et ça a été vraiment scellé dans la scolastique du Moyen-Âge, le 12e siècle, ça a été scellé comme un sacrement. C'est devenu de plus en plus un sacrement, l'onction des malades. Et en plus, un sacrement pour les mourants. Mmh. Et notamment au XIIe siècle, c'est vraiment devenu le sacrement de l'extrême onction. Et ce qui fait qu'au Moyen Âge, les réformateurs ont vu le verset de Jacques V comme le verset qui parlait de la guérison des malades et qui était utilisé par les catholiques comme un verset qui était utilisé quand on était sûr que le malade allait pas guérir, quand il était sûr qu'il allait mourir. Alors Luther, il croit à la guérison miraculeuse. Ouais. Il a un rapport à la maladie qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait j'en ai pas trouvé beaucoup qui avaient ce rapport là. Lui, pour lui, la maladie c'est le diable qui l'envoie, et donc du coup c'est une lutte, voilà. Mais il croit à la providence de Dieu, et il prie pour la guérison, et il se réjouit de la guérison en remerciant Dieu, etc. C'est très 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 fort. Alors c'est des passages qui sont justement pas des exposés dogmatiques de sa part. Et puis Calvin. Alors là, Calvin, c'est vraiment très important parce que ça détermine le protestantisme aussi. Il est dans un siècle où on croit, enfin dans une époque, donc passé Luther, hein, où on ne croit plus, on ne voit plus de miracles. C'est-à-dire que Calvin, c'est ça que j'ai lu dans ce livre en tout cas, il croit pas moins aux miracles que les catholiques de son époque. C'est qu'en fait, ils ont tous l'impression qu'il n'y a plus ces miracles de guérison. Et donc Calvin, y a deux explications chez Calvin, et ça m'a beaucoup intéressé, parce que nous, dans notre formation, on sait, oui, Calvin, sur les charismes, les dons, il croyait plus aux charismes et aux dons, et tout ça, et on nous l'a beaucoup répété, et en fait, y a deux explications chez Calvin. Il y a le fait que le Nouveau Testament avait besoin des miracles des apôtres pour être attesté par la puissance de Dieu, et que en fait les miracles des apôtres ont fait leur job, ils ont fait le boulot, ils ont scellé le Nouveau Testament, et ils l'ont scellé d'une autorité, d'une puissance qui est maintenant suffisante. Il y a ça chez Calvin. Et puis il y a un deuxième argument qui est en fait un argument presque des notes de bas de page, hein. et qui dit qu'en fait les miracles ont cessé à cause de l'ingratitude de l'Église, et qu'en fait c'est quelque chose qui est en plus. Ce don a été temporel et aussi péri en partie par l'ingratitude des hommes. Et donc il est notoire que les grâces du Saint-Esprit qui étaient alors conférées par l'imposition des mains ont cessé tantôt après au monde, soit que Dieu ait ainsi voulu punir l'ingratitude des hommes, ou bien qu'il ait retiré sa main comme ayant assez éclairci la vérité de l'Évangile. Donc il y a deux choses, et du coup on vient à la question du cessationnisme. C'est justement, c'est ça que j'allais te demander. Ouais. Alors on va introduire un mot qui est un peu compliqué, cessationnisme. Alors est-ce que c'est juste de dire que Calvin est entre guillemets le père de ce concept-là? Est-ce que c'est quoi, hein? C'est quoi le cessationnisme? Et puis est-ce que Calvin est vraiment le père de ce... Voilà, cessationnisme. Justement, on peut introduire des nuances dans qu'est-ce que c'est que le cessationnisme. Gonzalo, il me met dans les situations avec les mots compliqués. Oui, le cessationnisme, c'est une courant, une idée
qui présente, c'est un courant qui présente l'idée que les dons de l'esprit se sont arrêtés, sont cessés. Mais il y a les apôtres. Oui, après les apôtres. Oui, il y a deux positions de cessationnisme, cessationnisme historique. Que après les apôtres, parce qu'on a déjà la Bible entière, les dons se sont arrêtés. Et ça, c'est le cessationnisme historique, pardon, biblique. Le cessationnisme historique, c'est celle que j'ai présenté avant. Que les dons se sont arrêtés dans une culture où l'évangile déjà est présent. Et après, les dons et les manifestations miraculeuses vont se manifester dans une culture où l'évangile est en train de pénétrer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour la question de la position de Calvin, évidemment, Calvin, il a posé ça, la question du cessationnisme biblique. Ouais. Il a posé ça comme argument. Et pourtant, là, les arguments qui disent que il y avait peut-être pas que ça dans la pensée de Calvin, et ben c'est Fadielowski. Raconte que c'est Pierre-Charles Marcel, donc un ancien pasteur de Saint-Germain, qui est vraiment un des gros calvinologues du XXe siècle. Hein, et c'est Pierre-Charles Marcel qui lui a donné des références où Calvin évoque une autre possibilité sur l'arrêt des dons. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ça veut dire qu'en fait, le cessationnisme, en tout cas moi c'est comme ça que je pense, le cessationnisme, c'est une explication a posteriori de la part de Calvin pour expliquer pourquoi il voit pas de miracle. Et il se pose la question, et il a raison de se poser la question à son époque, mais c'est pas au centre de sa dogmatique. Ce qui est au centre de sa pensée à Calvin, c'est d'attester la puissance et l'autorité du Nouveau Testament. Oui. Ça, c'est fondamental. Du coup, s'il trouve un argument de plus, il est content. Mais l'autorité du Nouveau Testament repose pas sur le cessationnisme. Donc voilà, ça me semble important de dire Calvin. En plus, Calvin, on ferait passer Calvin pour un gros bourrin, alors que Calvin est très sensible à rester humble dans ce qu'il croit. Et là, vraiment, voilà. Donc Calvin, effectivement. Ne voit pas de guérison miraculeuse. La réforme, à son époque, n'en voit plus, mais le catholicisme n'en voit plus. Le concile de Trente se positionne sur l'extrême onction, le sacrement des malades et tout ça, donc sur l'interprétation de Jacques V, mais ne remet pas du tout en question son manque de foi dans les miracles. C'est la poste, c'est la contre-réforme. Ensuite, après, plutôt les missionnaires jésuites, Saint François-Xavier par exemple, qui vont revoir des choses extraordinaires. Et du coup, tu parles du cessationnisme historique. Saint François-Xavier se retrouve en mission hors d'Europe et il voit des pluies de miracles. Ouais. Voilà. Merci pour cet exemple. Hein. C'est hyper rafraîchissant. Donc, c'est complètement simplifier la chose que de dire que le cessationnisme, que c'est un concept qui signe la fin des actions miraculeuses de Dieu. Ouais. C'est complètement une caricature. C'est hyper intéressant. Et est-ce qu'on peut continuer un petit peu dans l'histoire très rapidement? Parce que le livre parle beaucoup aussi du piétisme, des réveils du XXe siècle. Bref. En fait, dans les réveils, justement, c'est cohérent avec ce qu'on disait avec Gonzalo. C'est cohérent avec l'aspect évangélisation. Ouais. Le réveil voit des miracles. C'est-à-dire qu'on a parlé... On a parlé dans une émission précédente de Spener. Et ben après Spener, tout le piétisme allemand vit des miracles. Zinzendorf constate ça de manière très très naturelle. Il constate les miracles dans le réveil. On parlera parce que c'est très important pour le protestantisme, même pour notre courant d'église. La question de Wesley, comment Wesley voit des miracles. Pour un Français, on a celui qui fait connaître le réveil en France, Ami Bost. Et Ami Bost est à fond dans la guérison des malades. Et Ami Bost, c'est le père de John Bost, le créateur de tous ces asiles pour les malades mentaux. Ouais. John Bost, c'est... Donc c'est quelqu'un qui a vu des miracles, qui croyait, qui priait pour ça, et qui pourtant prend soin des malades. Concrètement, c'est ceux là qui guérissent qu'il y a le pas, voilà. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette charité. C'est-à-dire que le malade ne va pas me déranger. Si le malade est là, voilà, moi je suis là pour prendre soin de lui. Et j'exprime ma foi chrétienne en prenant soin de lui aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en fait, on passe trop vite la question du rapport à la maladie.
la question de comment se fait la prière, l'onction, l'onction d'huile, la foi, la question de la soumission à la volonté de Dieu, très très important, la question de alors la question de comment est vécue intérieurement la maladie et la souffrance en lien avec le Sauveur et en lien avec le sacrifice. Et du coup là il y a aussi toute une évolution des rapports. Ils disent pas du tout tous la même chose, les auteurs chrétiens. Dans les grands auteurs et français encore, on a Pascal. Ouais. Pascal, qui est connu quand même pour son œuvre philosophique, mathématique, quelqu'un qui pense avec sa tête, quoi, qui croit au miracle. Voilà, donc tout le réveil, le piétisme. Et puis après, le 19e, c'est une grande époque où il y a plein de choses. Et puis après, on arriverait au 20e siècle avec un grand chapitre de David Bouillon. Donc, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle, voilà, dans le pentecôtisme des églises évangéliques, voire même l'église réformée. Hein, ouais, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples récents qui seront, du point de vue d'un historien, sont intéressants pour l'histoire, voilà, de l'interprétation de la guérison miraculeuse? Du coup, aujourd'hui, je crois que la question de la guérison miraculeuse dans l'église, elle... qu'est-ce que croit aujourd'hui la majorité des chrétiens? C'est une vraie question. Je pense que si on est objectif sur qu'est-ce que croit aujourd'hui la majorité des chrétiens, il y a des débats sur est-ce que là on est dans la fraude, est-ce que ici dans telle campagne d'évangélisation, dans telle méga church, est-ce que là on est dans la récupération, est-ce que là on est dans sujet touchy, hein. C'est touchy parce qu'en fait à la fois on se dit, mais imagine, on est en train de calomnier un serviteur de Dieu. Mmh. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'on peut ne pas dénoncer des choses qui apparaissent comme de l'usurpation, du mensonge, de la tromperie? Mmh. Et du coup, je pense que dans l'Église, aujourd'hui, il y a ça, c'est très fort. On a beaucoup de polémiques sur savoir si tel ou tel pasteur ou tel mouvement... vit des miracles qui sont vrais. Et quelque part, c'est triste, mais on est réellement obligé de se poser la question. Parce qu'un faux miracle, c'est horrible en fait. Oui. Un faux miracle, c'est monstrueux. Donc malheureusement, ce que tu nous dis, c'est qu'on est obligé de composer, malheureusement dans notre histoire, et même récente, on a des exemples de falsifications qui ne rendent pas du tout l'œuvre de Dieu moins vraie, mais qui, du point de vue du témoignage, sont très compliquées à gérer. C'est ça que tu es en train de nous dire. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de débats après entre chrétiens, et des débats dans lesquels on ferme aussi un peu des positions. On verrouille des positions presque dogmatiques pour trouver des solutions pour sortir de ce genre de débat. Ouais. Alors que, je crois que notre époque atteste du fait que Dieu œuvre puissamment encore dans notre histoire. Amen. Et il œuvre avec tous les moyens qui sont à sa disposition, mais faut reconnaître que l'Église n'est pas clean dans son témoignage. C'est-à-dire que un sujet aussi sensible que celui-là qui à mon avis touche le cœur de Dieu. Le soin aux malades, comme tu l'as dit, le soin c'est plus intégral que la guérison, le soin c'est holistique, un sujet aussi sensible que ça a pu être repris, systématisé de manière un peu grossière et du coup contribué à des dérives aussi au sens où ce que je disais tout à l'heure, dans certains mouvements d'église, le malade finit par déranger au lieu d'être une expression de notre amour pour le Créateur et de notre amour pour notre frère, notre sœur, notre prochain. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Puis je dirais que le cœur des serviteurs de Dieu doit être guéri aussi, parce que il y a une très forte question de l'incrédulité, notre incrédulité, notre ingratitude, comme dirait Calvin, notre ingratitude. Et puis il y a un énorme problème d'ego. En fait, dans l'Église, dans nos églises, c'est-à-dire que il y a une captation de renommée dans le miraculeux qui fait que les
les pasteurs déploient une puissance pour eux-mêmes égocentrique. Ouais. Et je pense que ça, en fait, c'est très grave. Et ça nous met au cœur du problème, en fait. Comment le Saint-Esprit peut déployer sa puissance si en fait nos cœurs sont pas totalement disposés à lui rendre gloire. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent, qui peut-être se perdent un peu dans toute cette histoire de l'Église. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la substantifique moelle, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir pour quelqu'un qui vit sa foi aujourd'hui, qui peut-être voit autour de lui beaucoup de scepticisme, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben ouais, moi je trouve que c'est vraiment très important de... Comment, si tu vois beaucoup de scepticisme, il faut apprendre à croire, il faut apprendre à s'émerveiller et à ne pas douter de l'action de Dieu, toujours, toujours plus forte. Et en même temps, il faut vraiment aussi apprendre à discerner les esprits et à discerner par la grâce de Dieu, par la lecture de la Bible et par l'intelligence pour être vraiment l'intelligence renouvelée, hein. Pour ne pas tomber dans les pièges et dans les séductions des hommes et de Satan. Et je pense qu'en fait, comment, il ne faut pas, faut pas qu'on encourage les fidèles à croire tout et n'importe quoi. Ouais. Il ne faut pas qu'on leur dise de perdre, par exemple, l'esprit critique. On dit souvent ça comme ça. L'esprit critique, il est nécessaire, mais il faut qu'il soit offert à Dieu et ouvert à ce que Dieu veut faire. Pour le dire, le discernement, pour le dire, pour utiliser un terme plus positif, plus biblique, effectivement, plus biblique, garder le discernement. Donc, la vérité est importante, mais la foi est importante. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Merci, c'est super important. Donc, ce livre, en fait, ça nourrit notre foi, l'Église et les malades. Et en fait, c'est plein d'histoires insérées dans une histoire. On a abordé plein de sujets, l'évolution du sacrement de l'onction des malades, c'est incroyable. T'as pas développé, mais finalement c'est une petite histoire dans l'histoire. Il y a l'histoire de l'exégèse de Jacques V, voilà, et puis la grande histoire, c'est justement ce lien que l'Église a avec les malades. Finalement, nous sommes tous malades, nous sommes tous des nécessiteux de la grâce, et quelque part le malade dans l'Église n'est que le rappel de notre condition pécheresse, notre condition, enfin voilà, d'humain éphémère dans cette création qui a besoin d'être sauvé intégralement. Et oui, nous croyons à la guérison, nous croyons que Dieu sauve et dans tout notre corps aussi. Donc voilà, on vous invite à lire ça et on arrive à la fin. Oui. Donc on va vous bénir et on va prier pour vous. Oui, on peut prier. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que nous pouvons voir dans ta parole, mais aussi dans l'histoire de l'Église, comme tu as agi, que tu es Tout-Puissant et que tu as manifesté ton pouvoir, ta puissance. Merci parce que même aujourd'hui, à notre époque, tu es en train d'agir, de faire des choses miraculeuses. Et nous pouvons voir dans notre Église et partout. Et donne-nous le discernement aussi pour gratter, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans notre contexte, pour comprendre et pour voir où tu es en train d'agir, de faire des miracles, mais où il y a des mensonges aussi. Et nous avons besoin encore plus de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. 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 À bientôt. Ciao, ciao.